Hey, coucou les amis, c'est Marjo. Alors, j'avais décidé aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, de vous prendre pour une petite séance de réponse questions au Diamond Painting Squad Quiz. Je continue dans la lancée. Alors, aujourd'hui, on est mardi 29 mars. Je vais donc répondre aux 1, 2, 3, 4, 5 questions. Donc, questions 11, 12, 13, 14 et 15. Tout en faisant ma toile Amazon d'Oraloa. Alors, voilà. Alors, je répète pas hein, ce qu'est le diamant. Painting Squad Quiz. Hein, maintenant, vous le savez. Celles qui ne savent pas, ben, vous le verrez en barre d'informations. Voilà. Alors que je me trompe pas, le G. Voilà, le G, le G, le G, le G. Le G, où es-tu? Ben, c'est caché, voilà. Ici. Alors, question 11. Qui vous a fait découvrir l'EDP? Alors, en toute honnêteté, j'ai découvert le diamant painting grâce à mon ex-belle-sœur qui m'avait offert une toile de chez Action pendant Noël, je crois. Et c'était une toile représentant des dauphins, des palmiers, voilà. Bon, toute honnêteté, j'ai pas accroché du tout à la toile et c'est pour ça que je ne l'ai pas terminée. Et c'est pour ça que je suis un peu restée sur ma réserve avec les diamants painting de chez Action. Voilà. Puis ensuite, j'ai voulu. Bien après le confinement, il y a un an de ça, hein, donc voilà, me pencher un peu plus sur la question et voir s'il existait ben, des diamants painting de différents modèles. Et je suis allée sur Internet. Et bien, j'ai vu, puis j'ai regardé YouTube et j'ai trouvé des super youtubeuses. Hein, qui expliquait le concept et j'ai trouvé ça super. Alors du coup, je suis allée voir sur AliExpress un peu partout et j'ai commandé ma toile donc de chez Homefun et l'aventure a démarré. Donc voilà. Du coup, comment j'ai découvert le DP. Question 12. Qu'est-ce que vous aimez boire quand vous faites du DP. Alors attendez, je baisse un peu plus. Alors, qu'est-ce que j'aime boire quand je fais du DP? Je bois pas forcément. Des fois, je vais me chercher un verre de lait chaud. Bon, maintenant qu'on va vers le printemps, on est au printemps, voilà. Je prendrai moins de lait chaud. Un petit verre de coca ou de Schweppes ou voilà, des trucs comme ça. Mais c'est rare quand même, voilà. En même temps, vous avez vu, on fait la pub pour les marques. Question 13. Quelle toile a donné le résultat le plus affreux? Ben, c'est la toile dont je vous avais parlé, celle que j'ai jetée. J'aime pas jeter les toiles. Et je le répète, ma vendeuse de DP n'y est pour rien, c'est moi qui n'ai pas accroché, c'est tout. C'est ma toile flamant rosa. Je ne l'ai plus, malheureusement. Ouais, je l'ai jetée. Mais c'était celle-ci. Voilà. Voilà. J'ai pas accroché.
C'est une étoile, un diamant carré et je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois on accroche, des fois on n'accroche pas. Et là, ben voilà. Une toile où j'ai pas accroché. C'était affreux. J'ai pas. Non. Non. Tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Il y en aura certainement d'autres auxquels je n'accrocherai pas. Mais j'espère pas. Question 14. Avez-vous un compagnon de DP, c'est-à-dire un animal de compagnie? Alors pour celles qui me suivent, ben vous savez que oui, ben j'ai un petit grand animal de compagnie. C'est un chien, un mélange labrador croisé lévrier. J'en avais parlé lors d'un chat avec Lorraine sur un live. Voilà, et elle nous a demandé de mettre les photos dans le groupe. Et j'ai mis les photos. Vous en avez aussi un peu sur mon groupe Facebook, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà. Je peux vous le remontrer si vous voulez. Quand je vais l'appeler, il va arriver de suite, hein, ce monsieur. Hein, Toby? Il est parti où, mon chien? Il est où, le bébé à maman? Ah, ben, d'habitude, il arrive de suite. Hein. Ben, là, il a décidé, ben non, je viendrai pas. Je montrerai pas ma grande tête à la télé. Toby? C'est un feignant, en fait. Une fois qu'il s'est couché, c'est dur de se relever. Je pensais qu'il est parti dans le salon. On a notre canapé. Bon, ce canapé-là, il n'y monte pas. Mais on a un canapé clic-clac, vieux, où on a mis une couverture, enfin un drap. Et il adore être là. Donc, monsieur s'en va là-bas. Toby! Tiens, maman, minou. Alors voilà. Donc voilà, viens voir maman. Viens montrer ta petite tête à la télé. Voilà. Alors monsieur, il fait quasiment 20 kilos, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Regarde, que je dis. Oh là 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 là. Oh là là, la bouille d'amour. La bouille d'amour. Allez, Monta, viens dire bonjour. Allez. Ouh, ouh, pépère. Ouh. Voilà. Ah ben là, vous ne le voyez plus, hein. Ah, Toto, Minou, t'es trop gros. t'es lourd. Voilà. Ben écoute, les gens t'auront vu. Voilà. T'as arrêté. Voilà, c'est bien. Moi, regardez-moi cette bouille. C'est un amour, ce pépère. Il a 5 ans. Voilà. Voilà. Oh, pépère, on dit bonjour. Oh, yo, yo. Comme je n'ai pas d'enfant, mais c'est mon fils. Ah, et tu veux pas venir sur mon épaule non plus? Tu veux pas devenir un perroquet? Non? Non, c'est bon. Alors, tu peux redescendre maintenant. Allez, viens go. Allez, hop. Voilà. Donc, alors maintenant, j'ai plein de poils. Ah, voilà. Donc, vous aurez vu monsieur qui vient des fois me rendre visite et des fois, il n'a pas envie, donc il vient pas. Et puis là, il s'est barré, voilà. Donc, au revoir, monsieur Toby. Voilà, c'est mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. Voilà, voilà. Question 15. Où avez-vous trouvé des diamants à des endroits loufoques? Ah ben alors, je pense qu'on est tous et toutes dans la même galère. Hein. J'en ai retrouvé, moi, ben, sur mes selles, sur mes fesses. Hein. Alors, comment ils y vont? Ben, quand je suis en pyjama, voilà, et que je m'assois sur ma chaise qui avait un diamant, ben c'est sûr, il s'est collé à cet endroit-là. Quoi. Voilà.
Mon compagnon, on l'a retrouvé aussi sur lui. Sur son torse, des fois, il me dit, bah, qu'est-ce que c'est? Oh, ben, t'es un margeau, ça m'étonne pas. Un diamant. Qu'est-ce qu'il fout sur moi? Je lui dis, ben, je ne sais rien, moi. Bon, je pense qu'on est tous un peu. Tous et toutes un peu pareil, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils sont là, hein. Ils nous échappent. On n'y peut rien. Donc voilà, c'est des endroits très mal placés, mais bon. Puis des fois, ça vous gratte, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Et puis vous grattez, et vous dites, mais c'est un bouton, c'est une croûte, qu'est-ce que c'est? Puis ça s'enlève, et ah ben non, c'est un diamant. Eh ben ouais, ben Marjo, bravo. Je me demande des fois même si j'en perdrai pas sur le chien des diamants. Alors, aïe, aïe, aïe. Donc voilà, ben je pense avoir fait le tour des 5 questions, des questions 11 à 15. Ben je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Ben je suis contente parce que là, on est passé à 112, même s'il faut, j'en ai un peu plus, 112 abonnés. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Ben rien de plus, rien de moins. Ben je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo, prochaine aventure. Et je vous fais de gros, gros, gros bisous. Ciao, ciao!